comment ça va ce soir? J'espère que vous êtes bien en forme et puis que vous êtes prêtes pour notre super scrap en live du soir. Alors, nous avons beaucoup de monde déjà. Bonsoir Nathalie, Sylvie, Mélanie, Laure qui pourra pas être des nôtres, mais c'est pas grave, en replay peut-être, j'espère. Donc bonjour Laure en replay. Bonsoir Ariel, impossible de te connecter. Bon, maintenant en tout cas ça marche, donc c'est très bien. T'es à l'heure, il n'y a pas de souci. Bonsoir Daniel, rebonsoir Daniel, Corinne, bonsoir, bonsoir Carmen qui est aussi là en avance, bonsoir Corinne, bonsoir Suzanne. Alors, la chaleur est revenue, c'est normal puisque c'est l'heure de notre soirée scrap pyjama avec notre Rachel. Alors, en avant dans la joie et la bonne humeur, yes! En effet, la chaleur est revenue qui donne lieu à de belles histoires, vous verrez tout à l'heure. Hilde, bonsoir, bonsoir Vanessa, Claire au pays des merveilles, bonsoir. Les miracles existent, tu es à l'heure, mais oui, bravo, journée de folie. Vive le scrap pour décompresser. Alors oui, maintenant zen, tu te relaxes, tu mets les pieds sur le canapé et puis voilà, ça va bien se passer. Sylvie, donc rebonsoir, bonsoir Christine, bonsoir Marie, bonsoir Isabelle, coucou, attendez, voilà, bonsoir Véronique, bonsoir, bonsoir Sandra, rebonsoir Josie, Clarisse, Alex, je crois, les papiers de chasse, je ne sais plus. Désolée. Bonsoir Christelle, bonsoir Françoise, Justine, coucou. Bonsoir Catherine, Céline, tu es sauvée, tu vas beaucoup mieux. Ah, ça y est, elle est enfin guérie. Alors Ariel, après 4 semaines et demie de maladie Covid, est enfin de nouveau parmi nous, en forme. Voilà, surtout le mot en forme. Isabelle, coucou, excellente soirée. Oui, attends, ici Nisa, bonsoir, et Sylvie, tu es couchée, oh mince, bon courage. Puis tu vois, elle dit, je suis couchée, du coup elle commence à parler moins fort, Rachel, n'importe quoi. Christelle, coucou, Marie-Christine, Sylvie, Françoise, Sonia, Alex, voilà, bah c'était Alex. Alors merci beaucoup d'avoir confirmé, hein, je suis désolée. Martine, ça swing, exactement, ça swing chez nous. Et Monique, bonsoir, et Mireille également. Voilà, on a réussi, on a fait le tour de tout le monde. Alors, bah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes donc en forme, et puis aussi que vous êtes prêts pour notre super scrap en live. Alors, on a plein de choses prévues, donc je ne sais même plus par où est-ce qu'on commence normalement. On va faire comme ça, voilà. Ah ouais, il y a un nouveau groupe Facebook chez Rachel. Alors, j'ai créé hier un nouveau groupe Facebook. Alors, c'est pas le même que la dernière fois. Donc, celui de la dernière fois, il reste valable et le but est différent. Celui de la dernière fois, vous vous rappelez, acte de gentillesse, le but c'est d'envoyer les cartes que l'on scrape et puis de les offrir à des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on a une liste d'adresses et puis on s'échange des cartes, voilà, alors qu'on ne se connaît pas. Celui-ci de groupe qui s'appelle Scrap aux éclats, avec un Z, vous remarquerez, c'est joli, avec un Z du coup, Scrap aux éclats. Alors il y a éclat pour éclat de rire, pour les éclats des bling bling et puis pour chaque carte, c'est un éclat de bonheur, voilà. Et le but de ce groupe-là, eh bien, c'est tout simplement de partager vos créations. Donc, si jamais vous avez suivi, par exemple, le live de ce soir ou bien celui de la semaine dernière et vous avez fait un des tutos et vous êtes contente et vous souhaitez partager ce que vous avez fait, eh bien, c'est ce groupe-là qui est d'actualité ou bien qui est dédié à vos créations. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a déjà pas mal de monde qui l'a rejoint parce que j'ai invité déjà certaines personnes et qui publient déjà allègrement, donc ça me fait extrêmement plaisir. Alors n'hésitez pas vous aussi, vous tous, vous toutes, à le rejoindre et puis à publier vos créations. Donc vous verrez dans la description du groupe, hein, c'est publié bah, vos créations. Donc s'il y a un tuto qui vous a plu ou bien s'il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fiers et que vous souhaitez partager avec tout le monde, eh bien allez-y. Voilà, donc surtout rejoignez ce petit groupe qui est, je pense qu'il va être tout aussi sympatoche que l'autre. Je pense que le nom du groupe vous plaira. Alors juste pour info, copyright, c'est James. Voilà. On était en train de réfléchir hier après-midi comment est-ce qu'on va l'appeler. Donc j'avais tout un tas de noms avec Carambar notamment. Et puis il m'a dit, le dernier qui est venu de nom, c'était pourquoi pas Scrap aux éclats. Donc AUX, plus loin, éclat. Parce que éclat de rire et tout. Et puis j'ai dit, ah ouais, et puis on va mettre un Z dans tout ça. Et donc voilà d'où est venue l'idée de Scrap aux éclats. Donc je dois absolument rendre à César ce qui est à César. Donc c'est l'idée de James pour ce super nom. Alors j'espère que vous allez le rejoindre, ce super groupe. Et puis que l'on va s'éclater là aussi, quoi. Alors bonsoir Zelka, Véronique, Marie-Christine, Véronique, l'autre Véronique, bonsoir, Ludivine, Corinne et Corinne, les deux qui arrivent ensemble, c'est trop bien. Ah, et tu vas essayer de faire le projet en direct, super.
théoriquement Corinne Moreau, hein, donc, qui essaye de faire en direct. Théoriquement, tu pourras pas le faire en entier en direct, sauf si je bavarde énormément comme maintenant. Là, il n'y aura pas de problème. Émilie, bonsoir, un petit coucou, tu dois nous laisser évidemment, travaille bien. Coucou, alors la petite fabrique, c'est trop mignon. Non, c'est même pas la petite, c'est la petite fabrique. Tu es nouvelle sur le live, mais tu nous suis en replay. Ah, c'est trop chouette. Bah alors, bienvenue en live, c'est super que tu commentes, tu verras, c'est super. Ah, Christelle aussi, Christelle EZ, donc, première fois en live, donc tu verras, c'est très chouette, je pense. En live, c'est bien plus intéressant, d'après moi, puisqu'on peut, du coup, échanger et puis voir comment faire les blagues et tout ça, quoi. Que de poésie, Suzanne, mais oui, quoi. Isabelle, tu nous envoies le lien, tu nous invites. Alors, il y a le code QR qui est là. Le code QR, vous pouvez le scanner. Ou alors, c'est sous la vidéo sur YouTube. Et je pense, je sais plus, je crois que je l'ai mis aussi, je sais plus, sur Facebook, en description de l'événement d'aujourd'hui. Alors, faut voir. Mais normalement, c'est là. Corinne, même si elles ne sont pas top, bah oui, hein, évidemment. Hein, tant que tu es fière de tes créations, Corinne, il faut les publier. Voilà. Bonsoir, Sophie. Trop fort, James, n'est-ce pas? On est d'accord, je lui transmettrai s'il ne regarde pas. Comment ça se passe pour écrire en Belgique pour un timbre? Alors Françoise, je t'encourage à regarder le site de laposte.fr parce que malheureusement, je ne sais pas. pour envoyer donc sur le groupe Gentillesse, je suppose, pour écrire en Belgique, je dirais, je ne sais pas. Il faut regarder le site de La Poste ou bien alors aller demander à La Poste. Bravo James, super. J'ai fait la deuxième version en Zoom, parfait. Et bonsoir Maryse. Oula, tout a ressauté encore. Aurélie, coucou. Et Daniel également. Alors, autre petite annonce, parce que je vous en ai parlé uniquement par écrit, si vous recevez ma newsletter, ou bien sur les différents réseaux, voilà, j'en ai parlé comme ça, mais je vous en ai pas parlé en live, comme ça, en direct, je vous en ai pas causé. Eh bien, on peut partager aussi les papiers cartonnés qui sont assortis au papier design de notre mini-catalogue. Donc ça, je l'ai lancé depuis le début janvier, hein. Il y a déjà des personnes qui ont commandé, c'est très bien. On peut continuer à partager sans problème, et j'avais juste un petit peu oublié de vous prévenir ici sur YouTube. Je pense que c'est lié au projet mystère qu'on a fait il y a quelques semaines, et puis du coup, ça m'a tout chamboulé dans mon organisation. Et donc voilà, donc je vous en parle maintenant. Donc si vous souhaitez avoir des assortiments de papier cartonné qui sont coordonnés à vos papiers design, ça veut dire, on a un papier design comme celui-ci, Petite Abeille Chérie, par exemple, vous voyez qu'en dessous, j'ai mis à chaque fois les couleurs qui sont sur les papiers. Par exemple, là, on a Sorbet Sucré, Pétale Rose, Narcisse Délice et Limonade à la Limette, par exemple. Eh bien, je vous propose de partager les papiers cartonnés qui sont accordés à ces papiers-là. Donc, ça peut être pratique parce que Stampin' Up! Propose que des paquets de 24, mais des fois, on n'a pas besoin de 24 feuilles. On n'a besoin que de 5 feuilles, par exemple. Et donc là, vous avez dans chaque paquet 4 couleurs, 5 feuilles. 5 feuilles de 4 couleurs. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à utiliser cette opportunité. Je pense que c'est pas mal. Oui, tout à fait, Simone, c'est ouvert aux démos. Donc, que ce soit le groupe ou ça, les deux sont ouverts aux démos. Il n'y a pas de problème. Voilà. Véronique, oui, voilà. Bah, vraiment, l'histoire des... Je travaille pas à La Poste, je sais pas du tout l'histoire des timbres, voilà. En plus, moi, je suis en Allemagne localisée, donc les timbres français, je connais absolument pas. Voilà. Coucou Stéphanie, j'espère que Martin va mieux. Ah, ben voilà, il y a Carmen qui a répondu. Donc, pour tous ceux qui se demandaient, merci beaucoup. Pour la Belgique, donc, un timbre sur le courrier, si le poids est moins de 20 grammes, sinon c'est 2 timbres. Et c'est tout, voilà. Bon, bah parfait. Heureusement qu'on a Carmen qui est là, qui sait tout. Voilà, autre chose, scrap en zoom. Alors en fait, le scrap en zoom, je vais quand même vous remontrer, vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu les posts d'aujourd'hui, ce qu'on a fait au scrap en zoom de samedi soir. Donc samedi soir, il y avait le scrap en zoom dont je parle depuis quelques semaines déjà, et on a fait ceci. Donc c'est un super calendrier avec un cube rotatif comme ça, où on peut mettre des photos notamment, ou bien toutes sortes de... des citations, ce que vous voulez. Et donc, on a fait ceci. Donc, pour celles et ceux qui se demanderaient, le tuto est offert pour toutes les clientes de janvier et février. Donc, si vous avez déjà passé une commande en janvier, regardez dans votre boîte mail, parce que je l'ai envoyé tout à l'heure, ce midi, normalement. Si vous ne le voyez pas dans votre boîte mail, ça veut dire que c'est peut-être dans les indésirables. Donc, allez voir dans les indésirables. Autrement, écrivez-moi. Voilà. Autrement, donc, pour toutes les commandes à venir également de janvier et de février, eh bien vous recevrez ce tuto, entre autres, hein, parce que vous vous rappelez que quand vous passez commande chez Rachel, il y a plein de tutos qui vous tombent dans les bras comme ça, dès que vous avez passé commande. Coucou Claudia.
Donc oui, bah Françoise, il faut regarder le commentaire de Carmen. Je le remets ici, hein, voilà, pour les timbres, c'est ça. Bonsoir Sabrina, bonsoir Constance, Isabelle, Justine, trop hâte de voir le joli projet de ce soir, parce que tu vas faire en même temps, yes! Très bien, tac tac, tu l'as fait cet après-midi, on a hâte de voir tout ça. Bonsoir Nathalie également. Alors, on avait aussi donc, prochain Zoom, voilà, c'est ça, pourquoi est-ce que je vous montrais tout ça? Parce que le prochain Scrap en Zoom, il aura lieu le 9 mars. C'est un samedi, et ce sera cette fois-ci un Zoom VIP. Alors là également encore, parce que je me dis, je suis très contente hein, de vous offrir tout ce contenu gratuitement, etc. Mais je me dis, mes clientes, peut-être qu'elles aimeraient bien avoir des bonus en fait. Et bien ça fait partie du bonus que j'offre à mes clientes et aux sapeurs scrapettes, voilà, aux personnes qui font partie de mon équipe, aux démonstratrices de ma lignée. Donc on va se retrouver en Zoom. Donc, comme on a fait samedi soir, donc pour faire ce superbe calendrier, mais là, on va faire un autre projet, évidemment, qui sera exclusivement proposé aux clientes de janvier et février également. Et donc, je le fais début mars, logiquement, parce que bah, février va jusqu'au 29, donc il faut bien qu'on organise tout jusqu'au début mars, jusqu'à la prochaine séance de Scrap en Zoom. Voilà, voilà. Et puis, il me semble qu'il y avait encore autre chose, mais non, c'est tout, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, pour le projet d'aujourd'hui, voici le matériel qu'il fallait préparer. Alors, Marie, je voulais t'écrire. Alors, Marie qui est Marie Vlo, WLO. Je voulais t'écrire sur Facebook et en fait, je ne t'ai plus trouvée. Et je me dis, mais comment je vais faire? Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, tu es sortie de la clinique, c'est douloureux. Donc, scrapbooking en pause. Tu as bien raison. Repose-toi, que toute la convalescence se passe bien. Voilà. Alors, Marlène dit, attention pour les timbres pour la Belgique, il faut prendre... Les timbres internationaux, ils sont violets. Alors, pour info, Marlène, donc moi qui suis en Allemagne, tous ceux qui m'envoient des courriers avec deux timbres français, normaux, timbres verts, là, les machins verts, ça arrive très bien. Donc, je ne sais pas si c'est moins cher. Si c'est moins cher, prenez plutôt cela, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est officiel, hein, mais officieusement, en tout cas, ça fonctionne très bien, ça arrive. Coucou Michaela et Sabine. Voilà. Donc voilà le matériel qu'il nous fallait préparer. Donc au niveau papier cartonné, 4 morceaux ou 2 à 4 coupés en deux. Donc 4 morceaux de 14,8 sur 20 cm. Également 2 morceaux de 9,1 sur 9,1. Et des chutes pour la déco si vous avez envie. Ensuite, on a besoin de papier design 4 sur 4. Donc c'est 4 sur 4 cm. 8 morceaux, soit tous identiques, soit 2 par 2 en fait. Donc, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Vraiment, les deux fonctionnent. Donc, c'est suivant votre choix. Et un assez grand, enfin grand entre guillemets, morceau de 8,6 sur 8,6. Et après, bah, ce sera la déco. Voilà. Alors, comment est-ce que je suis venue à cette idée? Ah oui, il faut aussi que je vous parle de ça. Alors, un instant. Oh, ça marche plus? Oui, ça marche, c'est bon. J'allais dire, hein, parce qu'on est en live, il ne veut plus marcher, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Alors, ma souris, elle fonctionne toujours aussi. Ok, tout va bien. Voilà, je voulais déjà vous reparler de ça, en fait. Donc, c'est live de la semaine dernière, vous reconnaîtrez, hein, c'est ce truc avec les pochettes. Avec Stéphanie, qui est là dans les commentaires, on a eu l'idée qu'en fait, pour les tags, si vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un qui vous dit « Moi, je ne veux pas de cadeau », eh bien, vous pouvez faire alors un bon pour un bisou, un bon pour un café avec moi, un bon pour un gâteau que j'aurais fait moi pour toi, un bon pour un restaurant et puis un bon pour un cinéma ensemble. C'est chouette, non, comme idée? Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour la semaine dernière. Voilà. Maintenant, on va parler de ça. Alors ça, c'est quoi? Donc ça, c'est... je vais juste mettre un peu plus la lumière, je pense. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait... c'était en septembre. Et puis je me suis dit, donc vous voyez que c'est pas une langue, voilà, c'est quelque chose qu'on a reçu en cadeau de quelqu'un qui est allé en, je sais même plus où, dans un pays de l'Est, voilà, il nous a ramené du miel de là-bas. Et je dis, oh oui, c'est très bien, on va l'essayer cet hiver. Et je l'ai ressorti cet hiver. Et puis j'ai vu une idée faite par une autre démonstratrice, mais je sais plus son nom, et j'ai pas noté son nom, et j'ai pas noté, il n'y avait pas de tuto, rien en fait. Et puis je me suis dit, oh mais ça c'est une idée génialissime. C'était donc, je n'ai pas de prototype à vous montrer, on va faire le prototype ce soir. C'était un ensemble de 4 boîtes où il y avait à l'intérieur des petits pots de miel comme ça, pour les offrir. Et je trouvais ça trop mignon. Donc on va refaire ceci, ou bien on va essayer de refaire ceci ce soir ensemble. J'espère que ça vous plaira. Donc à la place de petits pots comme ça, vous pouvez mettre des petits pots de confiture évidemment, parce que je ne sais pas si on trouve ça facilement en commerce.
soit des petits pots de confiture, soit des petits des gourmandises, des chocolats ou des ce que vous voulez, quoi. Mais bon, c'est ça l'objectif et ce qui m'a donné l'idée de ce soir. Bonsoir Jérôme, bonsoir Christine. Carmen, oui, les timbres verts sont moins chers que les violets et fonctionnent bien pour toute l'Europe. Bon, bah parfait. Très bien, donc ça c'est à savoir. Pour l'Europe et la France, ce sont les mêmes timbres. Les violets sont pour les pays non européens. Bravo Simone, voilà, c'est ça l'explication. Merveilleuse idée. Oh, c'est James qui va être heureux. Pourquoi? Pourquoi Isabelle? Je sais plus ce que j'ai dit. Ah, pour le bon, pour un bisou et tout ça. Ben oui, pourquoi pas. Bon, pour un gâteau, je choisirais ta fameuse tarte à la confiture aux amandes. Alors, ce dont parle Justine, c'est une tarte de Linz. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste délicieux, une tarte de Linz. Voilà. Bonsoir Véronique. Donc, j'ai ici tout mon matériel. Je vais, pour ma part choisi, évidemment, de travailler avec ma petite abeille chérie, puisque bah, avec le miel, ça passe bien, n'est-ce pas? Et donc, on va utiliser ça tout à l'heure. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, là. Ouais, ça fait 16 minutes que je parle sans interruption. Voilà. Donc, on a tout notre matos. La déco, donc, pour ma part, j'ai pris l'option avec 2x2. Voilà, ce sera ça. Et il en manque parce que j'ai déjà fait un test. Voilà. Donc, le test de ma boîte, le voici. On va faire, donc, 4 boîtes de ce format-là. Et on va ne décorer que 2 faces. Et donc, quand on ouvre... Si je prends un des miels n'importe lequel, eh bien, ça rentre tout bien. Voilà. Donc, c'est pour ce format-là. Mais honnêtement, je pense qu'on peut faire rentrer plein d'autres choses dedans. Hein. Donc, voilà. Les petits pots de bonne maman qui sont de la même taille, là. Vous savez, ce qu'on trouve dans les hôtels, je pense que ça rentre bien. Je pense que ça s'achète aussi. Hein. Je ne sais pas, en fait. Les mini pots de confiture existent en France. Ah, ben voilà. Donc, je pense qu'on pourra en acheter sans trop de problèmes. Oh, Suzanne, des mini pots de Nutella. Alors, peut-être en adaptant les mesures, du coup, parce qu'il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus gros. Mais voilà, on va voir. Une bonne idée de live, super. Coucou, Jess. En ce moment, il y a des petits pots de Nutella dans un magasin qui commence par A et qui finit par Sion, je suppose. Hein, c'est ça, Christelle. Très bien. Couleur lumineuse, ça sent le printemps qui arrive. Exactement. Alors, ben, on est parti. Donc, je vais ranger tout ça parce que là, on est bon. Attendez, on est bon mais pas trop, voilà, comme ça c'est mieux. Et on va commencer avec les instructions pour faire le tube. Donc on a toutes les mesures là-haut, vous avez plutôt toutes les mesures là-haut. Donc il faut plier, on va commencer dans la largeur, à plier à tous les 4,5. Donc 4,5, 9, 13,5 et 18. Voilà, je recule un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. On ouvre bien le bras. Ah tiens, au fait, j'y pense, hein, quelqu'un m'a dit pendant le zoom, ben oui, mais moi j'avais ça en pouce. Effectivement, la règle, quand on a le coupe-papier, c'est bien de prendre directement la règle métrique avec. Elle coûte 5,50€, quelque chose comme ça. Et c'est quand même plus pratique d'avoir la règle métrique. Parenthèse qui se ferme. Voilà. Très bien. Véronique, oui, voilà, les pots, ils sont là-bas. Tu souhaiteras une excellente année à maman et te renouvelles, ainsi qu'à James, tous mes voeux, ainsi qu'à tout le monde. Merci Isabelle. On espère en effet que l'année sera belle, créative et tout ce qu'il faut. Alors, 4,5, 9, 13,5 et 18. Alors, si vous avez tous vos papiers, vous pouvez refaire ça 4 fois de suite. Donc, moi, je vais faire une boîte complète une fois. Et j'ai fait les autres boîtes d'avance. Donc, si vous voyez que je parle, prenez de l'avance et faites les 4 boîtes. Voilà. Ensuite, on va tourner donc d'un quart. Peu importe, à vrai dire, je pense si ça c'est en haut. Je ne me rappelle plus. Donc, on va faire en haut. J'ai l'impression que ça pourrait aller bien. Voilà, 4,5. On refait la même chose en fait, les mêmes mesures. Hein. Vous voyez, c'est 4,5, 9... Et 13,5. Et on ne peut pas faire le 18 parce que bah, ça s'arrête là. Oui, c'était 14,8 la mesure. Donc, a priori, vous ne pouvez pas faire le pli qui a 20. Voilà. Voilà ce que cela nous donne. Ah, quel projet mignon. Ah oui, effectivement, j'ai pris le vernis exprès pour cette fois-ci aujourd'hui. C'est pas grave, ils sont trop grands. Ah oui, tu les garderas pour manger, mais au moins j'en aurais acheté. Mais tu peux refaire les boîtes, tu verras, c'est tout à fait adaptable en changeant les mesures, il n'y a aucun problème. C'est la semaine des cubes, tout à fait. Christelle, combien as-tu de flacons de vernis? C'est toujours coordonné. Alors j'en ai un petit paquet, mais ça va encore. Bonsoir Yamina. Les cubes sont à la mode, exactement Christine. Alors, et donc là maintenant, on va couper, suivant le schéma là, qui est là-haut, on va couper exactement de la même manière au final. C'est ce que ça veut dire. On va refaire, ah voilà, je pense que c'est là le problème.
Parce que je me dis depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais en fait, c'est le réglage de la caméra, je pense. Bref, on va faire comme ça. Hein. Voilà, on va couper exactement la même chose. Donc, je vais commencer en mettant ça, peut-être... Ah oui, non, c'est bon. Oui, donc en fait, ça, il aurait fallu le mettre en bas pour le plier, pour avoir exactement ce schéma-là, puisque la languette, elle sera en haut. Donc, on va faire que ma languette, à moi, elle sera là. Vous voyez, la languette qui est ici, là. Ici, vers le haut, il y a une languette. Et elle sera ici pour moi. Voilà. Mais bon, le principe reste exactement le même. Donc là, je vais couper du pli là, du pli de la languette. Donc cette fois-ci, on plie, on coupe, on plie pas. On va couper du trait qui est là jusqu'au deuxième trait. Donc on a un trait ici, un autre là. On descend, on coupe jusqu'au deuxième. Voilà, comme ceci. C'est bon ? Et je peux faire déjà directement en face, en fait, puisque je suis déjà au bon pli. Alors, allons-y. Hop, je fais en face. Donc là, j'ai maintenant cette colonne-ci. Ensuite, je vais aller, ou bien je vais faire... dans quel sens est-ce que je vais faire? Je peux faire directement comme ça. Et là, je vais faire mes languettes qui sont en haut. Je ne sais pas comment vous montrer. Qui sont en... Bon, peu importe, à vrai dire, parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le côté où vous avez la languette, c'est une languette ça, hein? Oui c'est une languette, du côté où vous avez la languette, donc vous le mettez sur la droite, voilà, et puis on va mettre ceci, qu'est-ce que j'avais dit, à 4,5 cm, ça doit aller, et on va couper tout le long, donc du bas jusqu'à la languette du haut, jusqu'au carré du haut. Ouais, je sens que ça va être encore un truc à expliquer, ça va être compliqué. Oh, Nathalie, pardon, tu as un gros rhume, toi aussi, bon courage. Voilà, donc nous avons ceci, n'est-ce pas, toutes nos petites languettes, là, qu'on va les couper au ciseau après, hein, parce qu'on ne va pas se stresser, on fait au ciseau aujourd'hui. Et donc là, en face, donc là, maintenant, on va faire notre... On va dire que je suis comme ça, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus clair, on met comme ça. Je suis là, comme ça, maintenant. Donc là, on va faire ce petit... Enfin, ce grand carré ici, là. Donc, vous voyez que c'est le troisième quand on part de la gauche. 1, 2 et 3. Celui-ci, on a besoin de le garder. Donc, si je compte en partant de la gauche, 1, 2, parce que là, j'ai mes plis. 1, 2 et 3. C'est celui-ci qu'on a besoin de garder. Donc, je vais couper ici et là du... Attendez, je vais faire comme ça. Ce sera peut-être plus facile à voir. Voilà. Donc, du bas jusqu'à la ligne de pli. On voit, oui, on voit, comme ceci, et comme cela. Bon, on aurait aussi pu dire qu'on coupe toutes les languettes, c'est un petit peu plus facile. C'est pas grave. Voilà, et donc après, on va, je peux prendre au ciseau aussi, c'est pareil, on va faire des languettes, donc à peu près 1,5 cm, mais en fait, ça va pas se voir, donc c'est pas vraiment grave. Hop, et de une, et de deux... Et là au bout, pareil. Et deux, trois. Voilà. Ça nous fait donc une, deux languettes, notre grand carré qui est là. Et puis là, on fait à nouveau... Enfin, on coupe un peu biseauté pour faire la languette qui est, vous voyez, ici, à tout à droite. On a aussi cette languette-là. Voilà. Je pense, j'espère que c'est à peu près clair. Quand on suit le schéma, en fait, ça va très bien. Sinon vous coupez le son et vous suivez juste le schéma, comme ça vous n'entendez pas les bêtises de Rachel. C'est peut-être pas mal aussi ça. Voilà. Bonsoir Annie, bonsoir Brigitte également. Voilà. Donc là on a le bas. Vous voyez, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Ok, donc là je vais faire le haut en suivant le schéma, tout pareil. Hop. Ici donc on fait comme ça. Et puis tiens, là on a remarqué que en face de ce côté-là, ben là, on n'a pas besoin de languette. On va couper et après, on doit faire une encoche. Alors, ben, on est obéissant, on va faire exactement ça. On va couper. Alors là, il faut couper à peu près droit, si possible. Hein. Voilà, on suit bien le pli. Parce que celui-ci de côté, il va se voir, forcément, puisque c'est la languette qui sera en face de l'entrée de la boîte. Et voilà ce que ça donne. C'est bon ? C'est exactement pareil, sauf que là, il n'y a pas encore le trou. Alors, on va faire le trou. D'abord, on met tout ça dans la poubelle. Voilà.
Tac. Alors, ceux qui font avec, j'espère que vous arrivez à me suivre malgré mon bavardage intempestif. C'est très clair. Merci beaucoup, Pascal. Pascal qui me rassure beaucoup. Merci. Et bonsoir, Brigitte, qui est aussi sur YouTube. Alors, Brigitte, elle est sur YouTube et sur Facebook. Magnifique. Très bien. Ok, donc maintenant, on va faire la petite encoche. Et pour cela, j'ai oublié de sortir ma super perforatrice nuage. Coucou! Alors, ma super perforatrice nuage, vous pouvez tout à fait prendre un cercle ou peu importe. Le but ici, c'est de venir faire une encoche ici. Avant de le faire, parce que je suis en live et que je suis sérieuse quand je suis en live, je vais trouver un crayon de papier. Parce que j'en avais un jadis, quelque part. Ouais, c'était jadis ça. Je sais pas où il est mon crayon de papier. Oh là là, j'en ai tout le temps plein d'habitude. Ah ben voilà, il est là. Et donc là, on va mesurer le milieu. Donc, puisqu'on a une règle là, on va s'en servir. Vous voyez ce que je fais? Oui. Donc, le milieu de 4,5, c'est 2,25, ça doit faire, hein? Oui, ça doit faire ça. Donc, on va dire 2,2 à peu près, hein? Hop, on fait une petite marque. C'est juste pour avoir le milieu. Voilà, juste pour que vous voyez, vous puissiez visualiser le milieu. Parce qu'après, avec notre perforatrice, que ce soit un cercle, un nuage, peu importe, mais un demi-cercle comme ça, on va venir faire une petite encoche. Voilà. Et donc avec le point qui est à peu près au milieu. Ça va? Ben non, on fait quoi sans ta bonne humeur? Ok, ça va. Ouh. Simone, magnifique. Déborah, bonjour! De la Floride, mamma mia! Ça, c'est super loin! Alors, quelle heure il est aussi? 8h, ça va faire 14h, 15h bientôt. Déborah, bienvenue. En plus, en français, waouh! Magnifique. Non, sur YouTube maintenant, ok. Quand un live sur TikTok. Ah, quand un live sur TikTok? Ah oui, bah alors là, on n'y est pas encore, hein, Brigitte, un live sur TikTok. Un de ces quatre, peut-être. Mais bon, on verra. Alors, donc, si on reprend dans le sens du schéma là-haut, ça nous fait ça. Ah, j'ai juste oublié de biseauter ici en haut ma petite languette. Voilà, comme ça. Là, on devrait être bon. Ça fait ça? Mais oui, ça fait ça. On est bon? Bravo Rachel, attendez, je m'auto-congratule. Ok, maintenant que c'est fait, on va plier tous les plis. Plier tous les plis. La palisse va être très heureux. Comme il faut. Hop. Voilà. Et puis, bon, on va coller. Bah oui. Alors, pour coller, le plus simple, c'est de rabattre ici le côté avec la petite languette, parce que c'est là qu'on va mettre la colle, n'est-ce pas? Et puis ensuite, de rabattre l'autre ici. Ça me semble le plus simple. Ma colle. J'avais son pinceau, je sais pas où il est passé. Bref, il a fui. Il a dit non, tu me laisses tranquille ce soir. Il y en a marre. Tu me fais trop bosser. Ah ben non, il est à côté. Je l'avais rangé en fait. C'est tout bon. que sérieux dans live. Mais oui, bien sûr, on est tout à fait sérieux, Pascal. Tout à fait sérieux en live. Alors, merci Suzanne. Qui commence les festivités? Pour voir si je reste concentrée. Quel est le sport le plus fruité? Alors en attendant, pourquoi est-ce que j'ai dit de laisser la languette, enfin de faire le troisième ici en face, le troisième en face? Parce que quand on ferme notre boîte, eh bien ici on aura une fermeture jolie. Donc vous pouvez tout à fait faire votre grande languette, ce grand cube là, partout où vous voulez, hein, mais là ça fait un bord lisse, alors que sinon on voit, vous voyez, on voit qu'il y a le reste. Et malheureusement sur ma boîte test, eh bien j'ai fait l'erreur, c'est-à-dire que là, bah, j'ai mon, j'allais dire ma couture, c'est pas une couture, mon pli qui est malheureusement là, quoi. La pêche, ah ouais, c'est bien ça. Quel est le sport le plus fruité? La boxe. Et non, c'est pas la pêche, oh, le saut à la pêche. Bonsoir Marie-Vonne, tu prends les tutoriels en route, Covid terminé. Oh là là, il y a une semaine. Décidément, ce Covid, il nous embête énormément là, hein. C'est pas possible. Coucou Nicole. Je fais une boîte shadow, presque. Alors, voilà ce que ça nous donne. Et donc, maintenant, bah, je peux coller ici. Le plus simple, d'après moi, puisque de toute façon, après, ça va être ressoudé encore, c'est de mettre de la colle comme ça. Voilà. Tout simplement. Hop. Et on ferme bien droit. Donc, pour s'aider à fermer bien droit, j'ai déjà fermé. Vous voyez, j'ai mis l'intérieur là. J'ai mis ça à l'intérieur. Pour que ce soit bien droit. Voilà. Et comme c'est à peu près collé, mais qu'on a quand même besoin d'appuyer pour que ça colle bien, eh bien on le fait comme ceci. Et voilà!
Alors, quel est le sport le plus fruité? Non, le fruit le plus sportif, c'était quoi? Déjà, ça commence. Quel est le sport le plus fruité? Ouais, la boxe. Ah, bravo Christelle, la boxe parce que tu prends des pêches dans la poire et tu tombes dans les pommes. Oh là là, elle est excellente celle-ci. Trop, trop cool. Bravo Suzanne, elle est excellente. Alors j'ai un paquet de blagues, hein. J'en ai un paquet grâce au super calendrier que Sandra m'a offert. Si vous voulez, la blague d'hier, elle est là. Deux poissons nagent à proximité d'un iceberg. On rentre? Oui, on se l'écaille par ici. On se l'écaille, écaille. Allez, elle est marrante quand même, hein. On rentre? Oui, on se l'écaille par ici. C'est très très drôle. Un véritable cocktail vitaminé de la boxe, oui, c'est clair quoi. Ah oui, d'avoir la banane, c'était bien aussi. Voilà, donc notre boîte, elle est finie. Et de ça, vous en avez besoin de 4. Donc je les mets comme ça pour que vous voyez l'entrée, elle est là. Hop là, celui-là, elle est pleine. Et voilà. Alors, nos 4 boîtes, je laisse le schéma un petit peu. Comment est-ce que ça va se passer? Donc on va les coller, mais il faut que l'ouverture soit sur la tranche. Donc on va les coller comme ceci, l'autre comme cela. Et ensuite, comme ça. Attendez que je réfléchisse. Non, comme ça. Et puis l'autre, comme ça. Le but, c'est d'avoir une ouverture sur chaque côté. Attendez, il faut réfléchir un minimum. Mais Rachel n'est pas trop douée. Donc là, il y a une ouverture. Là, il n'y en a pas. Donc, il faut en mettre une. Voilà, comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, c'est comme ça. Et puis là. C'est comme ça. C'est comme un jeu de cubes. Il faut juste un petit peu de logique. Pas trop, hein, mais un tout petit peu. Et là, la dernière, j'arrive pas à la logique. Attends, là, ça s'ouvre ici. Donc là, il faut que ça s'ouvre là. Voilà, comme ça. C'est bon, on y arrive. Fou! Le but, c'est d'avoir un bloc. Donc, avec ici, on a une ouverture là. Là, on en a une. Vous voyez, le truc, il est ici. Ça s'ouvre ici. Ici, on en a une là d'ouverture. Elle s'ouvre là. Après, donc comme c'est pas collé, c'est compliqué. Hop, de ce côté-ci, on a aussi une ouverture qui s'ouvre là. N'est-ce pas? Tous ces blocs-là, on va les coller ensemble. Ça va nous faire un joli bloc de 4. Et c'est pour ça qu'on a besoin que de 2 papiers design par boîte. Parce que comme vous pouvez le constater ici, on ne voit de cette boîte que ce côté-là. Ici, on va mettre un papier cartonné. Ici, on va mettre un autre papier cartonné. Ça nous fera un bloc avec des tiroirs, si vous voulez. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Coucou Adeline, hein, j'espère que tu vas mieux. Oui, on fait encore un cube. On en fait 4, après on en fait un. d'avoir la banane, oui, c'est ça. Isabelle, c'est bon. Oh, ça me rappelle le calendrier de l'Avent que j'avais fait il y a 2 ans. Ah, je m'en rappelle plus. Désolée. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça le but. Alors, je vais déjà les coller ensemble, je pense que je peux, puisque après, il ne restera plus qu'à mettre les papiers design. Donc, on va risquer, on va le faire. Voilà. Hop. Et on colle. Deux par deux. Deux par deux, pas deux par Dieu, hein. Attention, c'est pas pareil. Voilà. Ensuite, c'est ici qu'on colle. Hop. Allez, je retourne, mais en gardant tout dans le même sens parce que je me suis déjà assez. J'ai dû réfléchir déjà assez longtemps pour faire ça comme il faut. Pour trouver l'entrée de chaque boîte là où il faut, n'est-ce pas? Voilà. Et puis la dernière, elle a le droit d'avoir 2 endroits où on colle. Voilà. Comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui arrivent encore à faire avec moi ou pas? Ou bien vous avez abandonné l'affaire, vous êtes dit non, ce soir, ça va pas être possible. C'est possible, hein. Que vous vous soyez dit ça. Alors, je vais aller prendre mes blagues parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de blagues là dans le chat. Hein. Il n'y a plus personne qui parle. Point, 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 point. Justine. Excellent. Hop. Voilà. Oh, mais j'en profite d'ailleurs. Justine qui est là et que vous voyez qui est ici et qui nous fait des blagues musicales comme ça là. Point, 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 point. Eh bien, Justine, elle est devenue sa perlée scrapette. Mais oui, elle a profité de la super offre du moment pour avoir cette plaque-là, justement, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, eh ben, elle nous a rejoints la semaine dernière. Si c'est pas chouette tout ça, moi, je trouve ça super chouette. Donc, re-bienvenue, Justine, pour la 3e fois au moins. Ah, super, tu adores Marlène. T'as lâché l'affaire, Corinne. Bah ouais, j'imagine. Hein. Donc, affaire en replay, par contre, je pense. Mais voilà. Voilà, et donc là, maintenant, bah, nos petits carrés, on peut les mettre. C'est-à-dire une boîte.
deux petits trucs. Et si, comme ici, là, vous avez. Donc, j'ai là l'encoche qui est là, vous voyez l'encoche là, et mon papier, bah, il va dépasser sur l'encoche. Bah, évidemment, il faudra couper ça. Hein. Voilà. Désolée, Corinne, du coup, que tu aies lâché l'affaire pour ce soir. J'espère malgré tout que tu pourras le reprendre en replay et que ça fonctionnera comme tu le souhaites. Surtout. Hop. Voilà. Bravo, Justine! Mais oui, félicitations! De la part de tout le monde. Ah oui, et vous remarquez que le sens du papier design, le haut de la boîte, ce sera ça en fait. Donc la boîte, elle se pose comme ça. Et là-dessus, on va mettre une super belle déco. Volumineuse, à souhait. Vous allez voir, c'est magnifique. Comme le nez de Cyrano Bergerac, il sera waouh! Donc notre déco, ben, elle est dans ce sens-là. Le haut, il est ici. Voilà. Là, je vais faire ma petite marque. Hop, vous voyez ce que je fais? Oui, quand même. Donc, je pense que je vais juste tracer l'arc de cercle à peu près avec ma belle petite main gracieuse et tellement douée en dessin. Voilà. Et puis, on va couper ça, vous voyez, le long à peu près de ma superbe marque. Non, vous voyez pas. Mais bon, voilà ma superbe marque. Je la vois, donc je sais que ça va être caché. Enfin, caché, ça va disparaître. Mon gracieux dessin. Oui, gracieux dessin, il va disparaître. Et voilà, on est tout bon. Ça n'a pas bien coupé là, mais à part ça, tout va bien. Hop, voilà, c'est bon. Oh là là. Suzanne, c'est un bol et une tasse. Attends, je les mets en grand. C'est un bol et une tasse qui sont devant un évier. Je n'ai pas envie de plonger, dit le bol. À chaque fois, je vois la tasse. C'est vrai, répond la tasse. Tu n'as jamais de bol. Attends, excellent. Superbe blague. Super jeu de mots. Hop. Voilà. Après, on continue. Alors, je vais mettre ceux-là après. Je pense qu'ils sont bien. On a tout plein de petites abeilles. Lui dit hâte de voir le résultat final. Yes! Alors, peut-être que vous l'avez vu. Donc, celles qui sont démonstratrices, on a un groupe Facebook, en fait, des démonstratrices du monde entier. Et donc, cette idée, je l'ai vue là-dessus. Mais ça fait des mois, parce que ce lot-là, on l'a depuis longtemps, en fait, quand on est démo. Bon, ça fait un moment. Donc, et il y avait une démonstratrice, je ne sais même plus de quel pays elle était, en fait, hein, qui avait fait ça. Et donc voilà, j'ai pas noté son nom, j'ai rien noté et j'ai juste retenu que l'idée était formidable. Sauf qu'elle, elle avait pris, voilà, je me rappelle, elle avait pris les boîtes du mini catalogue d'hiver et qui sont donc plus disponibles. Et puis à l'époque déjà, je m'étais dit, mais on peut les faire nous-mêmes les boîtes, hein. Et ben voilà, ce que ça donne quand on les fait nous-mêmes. C'est tout à fait possible. Voilà. Je pense que je peux enlever maintenant le schéma. Si quelqu'un en a besoin, vous me dites surtout. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Hop. Et pourquoi est-ce que j'ai fait les petites boîtes vraiment? J'en ai fait beaucoup à l'avance et tout. C'est surtout parce qu'en fait, je veux qu'on passe la majeure partie du temps à la déco. Parce que ben, ce lot-là, il est intéressant. Et il y a des choses intéressantes à faire avec. Donc, je voulais vous montrer ça, quoi. Voilà. Tu n'as pas de perfo ronde, dit Isabelle. Je dois en avoir, mais j'adore mon nuage pour ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Si, si, en plus, je dois en avoir pour de vrai. Hein. Donc, si vous avez une perfo ronde, hein, oui, ça marche sans problème, Isabelle. Lydie, pas de problème du tout pour le retard. Oui, on fait les abeilles. Tu as mis le petit dessin des abeilles exprès, magnifique. Hop. Mon arc de cercle est tellement beau et artistique. Mamma mia, ça fait peur. Mon prof d'art plastique, là, il va certainement se dire, elle a rien appris, cette fille. Je le savais bien, elle bavardait trop. Hop. Comme ça. Voilà. Bonne soirée. Donc, Christelle, tu nous laisses, je pense, pour ce soir. Peut-être tu verras le résultat final plus tard. Michaela, oui, tout à fait, c'est parfait. Coucou, Nathalie. Hop, voilà. Aurélie, tu adores ce lot, il range les projets magnifiques, je trouve aussi. Aurélie aussi, elle a fait plein de choses jolies avec. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne sur tous les trucs. Je vais juste mettre les pots de miel dedans parce que ça va me permettre d'avoir le poids un peu partout. Parce que là, j'en ai que un à l'intérieur et ça me gêne parce qu'il n'y a que un qui a le poids comme il faut. Voilà. Du coup, ça bascule tout. Comme ça, vous voyez un peu
ce à quoi ça ressemble. Et c'est là où je dis, on peut donc modifier les mesures comme on le veut pour avoir votre pot de Nutella, par exemple. Vous faites un petit peu plus haut, peut-être, la boîte. Et ça marche, quoi. Et voilà, bah maintenant, ça nous fait un joli poids. C'est parfait. Hop. Voilà. Impeccable. En replay, oui, tu vas nous revoir en replay, pas de problème. C'est bien, déjà, tu le reconnais. De quoi que je ne sais pas tout faire, oui. Ah oui, que je ne suis pas douée en dessin. Je ne suis pas douée en grand-chose, en fait. C'est pour ça que le scrap, c'est bien. On a plein d'outils qui nous aident. Alors, après, nous avions nos papiers de 9,1 sur 9,1. Pourquoi 9,1? Parce que là, avec les plis et les millimètres là, que font les petits papiers qu'on a collés, là, eh bien, malheureusement, on ne peut pas faire 9 sur 9. Parce que les carrés, ils font 4,5 sur 4,5. Logiquement, ça serait 9. Mais à cause de ce petite épaisseur de papier, on doit faire un capot, on va l'appeler le capot, tiens, qui fait 9,1 cm pour compenser cette épaisseur-là. Parce qu'autrement, on va avoir un tout petit peu là le bord et ça ne va pas faire beau. Alors, vous ne voyez pas trop bien, mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est mieux de faire 9,1. C'est pour ça, donc, ce 9,1. Voilà, donc là, on peut s'y donner à cœur joie. On met la colle. Voilà, artistiquement, encore une fois, n'est-ce pas? Alors, Picasso, voilà, mon œuvre à moi. Je pense honnêtement qu'on peut vendre ça, allez, 3 millions. Facile. Non, mais franchement, quoi, Rachel, ça va bien, quoi. Voilà, d'un côté, et puis de l'autre, pareil. Hop là. Comme ça. Voilà. Hop. On est bon, normalement. Et voilà, notre ensemble de boîtes est prêt. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr mettre un ruban autour, ce que vous voulez. Pour l'instant, en tout cas, on va décorer le dessus. Je pense que je vais mettre un ruban autour. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle s'ouvre toute seule. Les autres, ça va. Les autres, ça tient vraiment bien, même si c'est un peu dur à ouvrir. Mais celle-ci, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai dû faire un truc. Ouais, celle-là aussi, elle s'ouvre pas facilement. Celle-là, ça va, normal. Mais celle-ci, elle s'ouvre toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà, c'est ça. C'est les aléas du direct, exactement. Pot de Nutella, c'est 5 sur 5. Ah, merci beaucoup Isabelle. Alors, pour ceux qui se demandent, pour faire avec le pot de Nutella, il faut faire alors un carré de... Enfin, cube de 5 sur 5. Donc, à adapter, du coup, ces mesures. Donc, c'est juste 5 mm de plus que cela. Donc, finalement, c'est très bien, quoi. Coucou Sylvie, pas de problème. Oui, je vais bien, j'espère que toi aussi. Alors, donc ensuite viendra notre papier design comme ceci. Mais avant de mettre le papier design, évidemment, on va faire autre chose. On aura besoin de coller ça après, tout simplement. Pas de détails, vous verrez bien. Alors, on va utiliser forcément notre superbe lot perforatrice et tampon gros bisous. La seule chose que je reproche à ce lot de tampons, c'est qu'on n'a pas le mot gros bisous. J'aurais aimé, mais alors, j'aurais adoré avoir un gros bisou avec 4 Z comme ça. Vraiment, vraiment. Mais dans les mots, là, il n'y en a pas. C'est dommage, on n'a que bisous mielleux, mais j'aime moins, je préférais ça, moi. Je sais pas pour vous, hein, mais je pense que ça aurait été mieux. On va peut-être le proposer à ce temps-là. Faites le même, mais avec gros bisous en mots. Voilà. Alors, Suzanne, je crois que je vais multiplier, remultiplier les boîtes pour faire un deuxième étage, par exemple. Mais quelle bonne idée! Dessus, on peut mettre une tasse. Isabelle, par exemple, une superbe tasse avec quelque chose, parce qu'on peut l'offrir à quelqu'un qui a été malade, ça, hein, par exemple. Hein. Par exemple, ce n'est qu'une idée. Ça bourdonne de petits cœurs, mais oui, 4 petits pieds. On pourrait aussi mettre des petits pieds en dessous, dit Pascal, mais oui, on pourrait même faire une petite table ou quoi. Très, très bien. Voilà, la languette s'ouvre car la languette intérieure est trop biaisée, ah, dit Carmen. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, les pros. Moi, je ne suis pas pro. Voilà ce qui se passe. Alors, on va prendre des chutes de papier jaune. Le papier Narcisse d'Hélice pour être tout à fait correct. Et puis pour tamponner le corps de mon abeille, je vais utiliser la couleur café. Parce que je l'aime. Enfin, j'aime pas toujours pas l'encreur noire Memento. Je suis désolée, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et ça ira quand même très bien, vous allez voir. Attendez, avant qu'on tamponne. Vous savez pas quoi avec cette superbe. Où est mon papier blanc? J'avais un papier blanc, voilà. Avec cette superbe collection, cette superbe lot là, on peut faire plein de choses. Promis. Alors, par exemple, donc je vais perforer ceci plusieurs fois. 1, 2, 3,
On va le faire 4 fois. 4 fois, parce qu'on a besoin de 4 fois. Hop, hop, hop. J'aurais peut-être pu en préparer une, tiens. Ouais, si on avait réfléchi convenablement. Et 4. Voilà. Alors, on n'a pas besoin des grands cœurs, on a besoin des petits cœurs. Donc, ça, non, ça, on pourra l'utiliser peut-être parce qu'il est entier. Bon, on va voir. Ça, c'est bon. Par contre, hop là, on aura besoin de 2 fois le grand cœur en blanc. Et de 1. Et de 2. Voilà, si, on a même un petit cœur en bonus. Voilà. Voilà. Alors, comme c'est une perforatrice, eh ben c'est trop génial parce que les perforatrices, enfin cette perforatrice-là, elle nous permet de faire des abeilles recto-verso sans avoir besoin d'utiliser une technique de miroir. Vous savez, on verra ça peut-être une autre fois, mais en tout cas, on n'a pas besoin de faire de technique spéciale pour avoir des abeilles recto-verso. Eh ben ça, c'est trop chouette, je pense. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un message gros bisous. Bah oui, Mélanie, hein, je suis bien d'accord. Ok, avec toi pour les bisous, voilà. C'est quand même bête, enfin bête, c'est peut-être pas le mot, hein, mais c'est quand même très dommage d'avoir un set de tampons qui s'appelle gros bisous, c'est tellement génial, hein, et de ne pas l'avoir en tampon. Bref, c'est voilà, on va lancer une pétition. Hein. Ça va finir comme ça, je pense. Hein. Alors là, je prépare tous mes tampons parce que je ne l'ai pas fait avant, je suis désolée. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. C'est comme ça, c'est la vie. Hop, et celui-là, on va mettre les yeux après. Et donc, je disais, on peut faire des abeilles recto-verso, tout simplement parce que bah, c'est le même, c'est exactement le même, la même forme, vous voyez, pour aller coller comme ça, ça marche. Donc là, je les mets l'un en face de l'autre parce que bah, je ne suis pas trop douée. Si je les mets l'un au-dessus de l'autre, je ne saurais plus dans quel sens faut faire quoi. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà. Mais après, si vous êtes plus douée, vous pouvez les mettre l'un en dessous de l'autre sans problème. Bonsoir Marie-Dominique, mamie Do. Tu es pas sûre de rester parce que tu as du mal à rester concentrée en ce moment. D'accord, pas de problème. Bon, j'espère que ce n'est pas les soucis qui te causent manque de concentration. Voilà. Alors, d'un côté... Hop, c'est beau. Bref, d'un côté, c'est toujours beau. Et de l'autre côté, est-ce que ça va être aussi beau? On va voir. On dirait un peu les costumes des Dalton, tiens. De Lucky Luke, les Dalton, vous vous rappelez? Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si ça existe encore, Lucky Luke, en fait. Mais bref, moi, ça me fait penser à ça. Chez ma grand-mère, je lisais plein de Lucky Luke, parce qu'il y avait plein de Lucky Luke. Et à mon époque, bon, c'est pas si loin, hein, mais il n'y avait pas à la télé des trucs, il n'y avait pas Netflix, quoi. Donc, chez mamie, on jouait normalement, c'est-à-dire on allait dehors, on jouait ensemble à des jeux de société, et puis on lisait des bandes dessinées, voilà. Et notamment, il y avait Lucky Luke et il y avait les Dalton. Les Dalton, ils sont habillés comme ça, voilà. C'est normal, Dorian, c'est normal avec la tasse de mettre ta cuillère de... Oui, exactement, miel en bois, tout à fait, on aurait pu faire ça. Là, on va faire autre chose, mais bon. Bonne soirée, Michaela aussi. On peut l'imprimer, alors qu'est-ce qu'on peut imprimer? On peut l'imprimer, qu'est-ce que ça ? Simone, on peut imprimer quoi ? Coucou Stella ! Maryse, les ongles sont toujours assortis au papier, ça fait exprès. Alors aujourd'hui, c'est fait exprès. Il y a des fois, c'est pas fait exprès. Il y a des fois, c'est pas accordé. C'est pas non plus fait exprès. Mais aujourd'hui, c'est fait exprès, ouais. Parce que je me suis dit, tiens, je vais mettre quoi ? Et puis, ah bah tiens, bah, le jaune, puisqu'on va faire du jaune. Voilà, donc là, on est bon, Léon. On est bon, Léon. Excellent. Voilà. Hop, j'ai déjà beaucoup de bazar. Attendez, on va ranger un petit peu, au moins là, sur ma droite. Tac. Jess, oui, je suis très contente de ma planche. Moi, j'aime bien. Après, il faut l'apprivoiser dans le sens où, par exemple, pour la lumière qui reflète ou quoi, bon, c'est suivant la journée, puisque je suis au-dessus d'un Velux. Si le soleil il est au-dessus, bon, après, il n'y a pas grand-chose comme soleil en ce moment. Hein. Mais bon, quand il y a le soleil au-dessus, ça reflète dessus. Mais ça, c'est pas trop grave. Parce qu'il suffit de mettre un bout de papier, brouillon par exemple, et bah, ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, non, moi, je suis contente. Ah, ça y est, Stella, tu as enfin du courant. Magnifique. Parce que sans courant en plein hiver, c'est quand même pas top. Oups là. Voilà, donc là, je peux retourner directement. On va utiliser qu'une seule paire d'yeux, en fait. Paire de dentelles. Mais pour faire ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas retourner ça, parce que je vais mettre quelque chose au milieu. Donc, autrement, on aurait pu retourner et tamponner l'autre côté, hein. C'est pas grave du tout, on peut aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, hop là, voilà. C'est tout bon pour les antennes.
Hop. En l'occurrence, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai pris quel encreur? J'ai pris le couleur café. J'ai pris le couleur café, qui je trouve est mieux que le Memento, en tout cas. Tagada, tagada, revoilà les Dalton. Mais oui. Exactement, Isabelle. Ah, on peut imprimer gros bisous. Voilà, merci beaucoup de m'expliquer. Mais oui, en fait, on pourrait effectivement imprimer gros bisous. Mais ouais. C'est juste qu'on ne peut pas l'avoir après dans les couleurs qu'on veut, quoi. Alors, on va mettre une abeille dans ce sens-là et l'autre abeille dans ce sens-là. Ça veut dire que pour les visages, parce qu'il y a des visages hein, dans ce lot-là, on va mettre une comme ça et l'autre, on va mettre ça. Voilà, comme ça. Ok, on va commencer comme ça. Vous voyez, c'est ce beau sourire-là, il est beau. On va lui mettre à lui. Par exemple, hein, c'est pas obligatoire, hein, mais bon. Là, on a une abeille chauve. Et là, subitement, on a une abeille chevelue. N'importe quoi. Oui, c'est ça, Véronique. Encreur café, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc là, on va mettre ça. Et bien sûr, il faut penser à mettre de l'autre côté aussi. Alors voilà, Rachel, exactement tout ce que je disais, hein, qu'il faut faire attention. Hop, à mettre dans le bon sens. Et j'ai tout mélangé moi-même. Hein. Pouh, faut être doué quand même, hein. Donc là, on va le mettre, c'est à peu près symétrique, comme ça. Et puis là, pareil. Hop. Voilà, on dirait Kojak. Non, mais sérieux, on dirait vraiment qu'il est chauve dans ce sens-là. Là, ça se choque moins, mais comme ça, on dirait vraiment... Bon, c'est pas sa faute. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça, comme ça, et puis ça, là. Ensuite, je prends donc le cœur plein. Voilà. Très bonne idée, Carmen. Je vais le faire après le live. Mais oui, très bonne idée, franchement, d'imprimer ce dont on a besoin. Et là, je voulais faire en quelle couleur? Je vais faire les ailes. Bah, là, elles sont roses. Alors, on va les faire en rose. Et le rose en question, c'est du... c'est quoi ça? Pétale rose. Pétale rose. Un brouillon. Parce qu'on va faire en deux temps. Donc, tac et tac. Hop, une fois comme ça, on tamponne, voilà, comme ceci, et voilà. Et après, je retourne et je fais la même chose de l'autre côté, même si de l'autre côté, vous allez voir, parce qu'il y a un sens en fait, hein, là, vous voyez que c'est un petit peu plus incurvé. Donc de l'autre côté, ça ne va pas passer exactement pareil, mais c'est pas grave, parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est de l'art. Ok, tac. Comme ceci. Donc voilà, ça passe pas tout à fait exactement au millimètre, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, voilà. Justine, tu récupères la référence directement depuis le site, et ensuite tu l'appliques sur ton texte et tu imprimes. Tu peux imprimer avec les couleurs de... Ah, avec les couleurs de Stampin' Up directement. Bravo, Justine. Après, bon, moi, dès qu'il faut imprimer, toucher à l'ordinateur, déjà, c'est plus du scrap. Parce que je fais un blocage, en fait. Si je scrap, c'est pour m'évader de l'ordinateur que je vois tous les jours, toute la journée, quand je travaille. Et donc, voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un problème aussi avec les machines, vous savez, Cricut et tout ça. Là, j'en avais une à un moment. Mais en fait, le fait de devoir aller sur l'ordinateur, tout de suite, ça me bloquait complètement. Alors oui, c'est super, on peut faire plein de choses, mais moi, j'arrive pas. Et du coup, là, l'idée d'imprimer, rien que d'y penser, en fait. Rien que d'y penser, déjà, ça me fatigue, en fait. C'est pas bien, mais voilà, l'ordinateur, je sature. Donc, si je scrape et je fais des choses avec mes mains, ben, je veux pas voir l'ordinateur. Sauf pour vous voir, vous, bien sûr, pour le live, c'est tout. Mais sinon, pour le scrap, bof, quoi. Ou tu l'écris de ta jolie plume, dit Isabelle. Mais ça aussi, c'est une bonne idée. On peut l'écrire de notre jolie plume avec un marqueur de la couleur de notre choix, de Stampin' Up. Voilà, très bien. Sandra, tu as la e-mark Create Colops. Je ne sais pas ce que c'est. Où on peut imprimer tous les mots qu'on veut. Ah ben voilà. Par exemple, c'est une idée. J'aime beaucoup le bruit que font tes tampons quand tu les nettoies. Scritch, scritch. Ça queen. C'est vrai, ça queen. Ok, alors on va peut-être maintenant mon Stampin' Seal. Assembler nos petites abeilles, du moins la moitié, c'est-à-dire on va lui mettre à lui là, on va lui mettre, ah mince, il manque une paire d'ailes, j'avais pas un cœur en plus là, oh zut, faut que je refasse. Alors attendez, hein, on finit d'abord celle-ci, voilà,
Celle-ci qui va avec son pote là, comme ça. Voilà, ça nous fait recto verso, n'est-ce pas? C'est super. Hop, et puis celle-ci, Kojak, là. Désolée pour Kojak, mais bon. Il a cherché en même temps, hein, il est devenu célèbre. Alors voilà, c'est ça. Hop, alors Kojak, on va lui mettre ses cheveux dans ses antennes d'abord. Et puis une paire d'ailes, enfin un bout d'ailes là. Comme ça. Et puis bah, il lui en manque une, alors faut qu'on lui en fasse une autre. Hein, à Kojak, parce que sinon, bah, on va être content. Hein. Je veux dire, là, ça va être difficile de voler. Hein. Quand même, on a besoin d'une abeille qui vole. Hein. D'ailleurs, une abeille ou un bourdon, là, on sait pas. Parce que vu les. Comment dire, la forme. Il est probable quand même que ce soit un bourdon, mais bon, on ne veut pas vexer les abeilles non plus, hein, donc on va dire que c'est une abeille. Mais bon, justement, pour ne pas les vexer, on devrait dire que c'est des bourdons. Voilà, c'est pas trop. Alors, Stella, c'est quoi comme projet que tu fais? Alors, on fait un ensemble, Stella, de 4 boîtes pour mettre et offrir du miel. Donc, je vais te montrer dès que j'aurai fini tout ça, parce qu'après, on va devoir mettre la déco. Hop. Voilà. Comme ceci. Je savais hein, qu'il fallait que je prévoie beaucoup de temps pour la déco. Hein. Ça, c'est clair. Parce qu'en plus, ça, c'est que la première partie de la déco. Hein. Il manque la deuxième encore. Hein. Donc, voilà. Comme d'habitude, on n'est pas couché. Hein. Bah, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, on est en bonne compagnie, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de blagues ce soir. Tiens, tiens, tiens. Hop. Voilà. Comme ça. C'était pour Suzanne. Le bruit. Du squeech, 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 squeech. Quelle bonne idée, Justine. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Isabelle, hein, maintenant Kojak. Mais tu reviens combien d'années en arrière? Je ne sais pas, là, c'est mes souvenirs. Je pense que c'est les souvenirs de quand j'étais chez mes grands-parents, parce qu'il y avait aussi Kojak quand j'étais chez mes grands-parents. Voilà, donc ça doit faire ça. Ça doit être ça. Je ne sais pas. Hop. Et voilà. Comme ça. Et comme ça, l'autre, on pourra le mettre donc bien aligné et on sera bon. N'est-ce pas? Ok. Donc ça, c'est une partie de la déco. Je vais le mettre à côté, là. Et on y revient tout à l'heure. J'ai pas envie que ça colle sur quelque chose. On va le mettre comme ça. Voilà. Maintenant, l'autre partie de la déco. Alors, pour l'autre partie de la déco, je vais utiliser ma plaque. C'est pour ça que je l'ai sortie. Et puis, ce tampon-là, qui vient du lot surprise, en fait. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de faire des fleurs. C'est juste pour faire des fleurs. Mais des fleurs un petit peu plus artistiques. N'est-ce pas? Donc, une fleur pleine. Attendez, il y a la bougie qui veut partir, elle aussi. Voilà, une fleur pleine. Un spritzer que j'avais quelque part. Voilà. Alors, c'est pas du jaune, c'est de l'eau normale. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai mis du jaune, ou bien du rouge même, je sais pas. Et puis, mon flacon, du coup, eh ben, il est ancré. Mais donc, il n'y a que de l'eau dedans, c'est que de l'eau. Ça, et puis ben, les encreurs. Et on va choisir quelle couleur. Alors, on va mettre du jaune un petit peu, on va mettre du bleu et puis du rose. Voilà, on va mettre 3 couleurs que j'ai pas sorties parce que bah, je suis très préparée aujourd'hui, comme vous voyez. Hop, voilà, Narcisse d'Hélice, hein. Pétale rose et piscine partie. Et puis là, eh ben, ça va être chouette. On va faire plein de trucs dégoûtants. On va mettre de l'encre partout. Oh là là, heureusement que ça se nettoie bien. Non, on va essayer de mélanger un petit peu les encres pour faire des jolies fleurs. Enfin, on essaye que ce soit joli les fleurs. Hop. Et celui-là, on va le mettre en dessous comme ça. Par exemple. Déjà, c'est beau. Rien que comme ça, moi, j'aime bien. Après, c'est pas le but d'avoir juste ça, quoi. Tu missionnes, James, pour faire quoi encore? Je sais plus ce que j'ai dit. Rien que t'y penser, ça te fait pas rêver. Ah non. Quelle encre rose, mince. Alors, elle va rien voir... Je pense. Est-ce qu'on va voir? Pétale rose. On voit que dalle. Pétale rose. Si quelqu'un veut bien écrire pétale rose, s'il vous plaît, pour Véronique. Ah, merci. Quel est le sport le plus silencieux? Demande Suzanne. Trop mimi, c'est vraiment magnifique. Bon, très bien. Ah, merci beaucoup, Isabelle. Merci, merci, Isabelle. Je ne peux pas mettre un gros cœur sur ton nom, malheureusement. Ton Léo est toujours mouillé. Oui, oui, je le mouille avant le live, en fait. Hein. Merci Isabelle, voilà. Trop jolie la petite abeille, voilà, c'est bien. Et donc maintenant que j'en ai mis partout, là, surtout on ne met pas les mains dedans, on prend son spritzer, que j'avais perdu alors qu'il était sur le vin, bref. Et puis on spritz, on met de l'eau quoi. On met de l'eau, c'est tout trempé, on est content, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Et avant ça, on va prendre un papier blanc peut-être, parce que sans papier blanc pour tamponner dessus, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, papier comme ça par exemple. Et puis nos fleurs, on va prendre de l'encre là. Comme ça, il y a peut-être beaucoup d'eau,
Ouais, on va voir. Et puis, bah, on va faire ça. Juste comme ça. Ça va être chouette. Ici, chouette. Et voilà pour avoir des fleurs artistiques. Alors, là, attendez, je vais juste, pour pas trop mélanger quand même les couleurs, on va les mélanger, mais pas trop, quoi. Voilà, ici, on va faire une rose et bleu. Hop. C'est beau, hein. Bon, bref. Et puis celle-ci, on va la faire rose et jaune. Voilà. En fait, on peut en faire autant qu'on veut, puisque bah, tant qu'il y a de l'encre, je veux dire, et remplir son papier. Et puis voir ce que ça donne. Donc là, pour la dernière, je vais mélanger absolument tout pour voir. Ça va faire moche, je pense, parce que toutes les couleurs mélangées, là, je suis pas trop sûre de moi. Non, ça fait beau, pas beau. Ça fait caca. Ça fait pas beau du tout. Hop, et donc, voilà. Et pour nettoyer ceci, je vais prendre le chiffon qui va avec. Comme ça, au moins, mon Léon, il sera correct pour la suite. Et puis celui-là, j'irai le nettoyer après. Voilà, il n'y a plus rien. Et voilà ce que ça nous donne. C'est beau, c'est beau. C'est beau, hein? Moi, je trouve que c'est beau. Oh là là, attendez, j'ai loupé plein de trucs là. Tu récupères la référence directement depuis le site. Non, ça, c'est ce qu'elle avait dit, Justine, pardon. Super la technique, n'est-ce pas que c'est chouette? T'as un train de retard? Oui, pas de problème, Claire. Ah non, Claire, elle dit merci, Claire. Ah voilà, le pétale rose, c'est bon. Ah, le parachute, attends, c'était quoi? Il y avait la blague et j'ai déjà oublié. C'était quoi la blague de Suzanne? J'ai oublié. Plus je l'ai mis dessus et puis j'ai oublié. Ah voilà, quel est le sport le plus silencieux? Ah, ça peut bien être ça, hein? Est-ce que c'est ce que Nathalie, elle a dit? Moi, je pensais ça. Ok, en attendant, où est le poinçon? Le poinçon, il est là. Alors, pour cette fleur-là, donc vous allez vous dire, enfin moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est quoi cette fleur encore? Comment on trouve le sens? En fait, on a sur cette fleur, une fois que vous allez le voir, vous le verrez, je pense, tout le temps. Moi, je le vois maintenant directement. On a deux oreilles de lapin que l'on peut chercher et trouver. Donc, est-ce que vous les voyez ici? Peut-être pas forcément. Mais là, je vous les mets en haut, donc c'est plus facile. On a deux oreilles de lapin, là. Et puis, à gauche et à droite, on a un espace un peu plus grand que les autres. Vous voyez, les autres, c'est enfin, les oreilles de lapin, je trouve qu'elles sortent vraiment mieux, quoi. Vraiment bien. Et bah là, eh bien, il suffit de retrouver maintenant dans votre dessin les oreilles de lapin. Or, là, on dirait bien que on a un espace grand et deux grandes feuilles, là. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est dans ce sens-là. Et ouais, c'est dans ce sens-là. C'est tout magique. Il faut juste retrouver les oreilles de lapin. Voilà. Elle ressemble au lot Marguerite. Oui, un petit peu, effectivement. C'est beau, n'est-ce pas? Ça fait penser au papier botanique ancré. Tout à fait. Tu ne connaissais pas ce système Maryse? Ah ben voilà. Ah, et c'est ça. Donc, quel est le sport? Le sport. Le sport. Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute! Bravo! Ok, donc je vais juste en couper une parce que bon, j'en ai quand même préparé. Ah, et du coup, je prendrais bien la jaune plutôt, avec le jaune. Parce que celle que j'ai préparée, c'était avec, le bleu, justement. Hop, mes oreilles de lapin. Vous voyez, on trouve tout de suite. Dès qu'on trouve les oreilles de lapin sur son dessin, ça marche direct. Mais si la dernière feuille est verte... Oui, oui, elle est verte, c'est une fleur, mais bon, ouais, voilà, quoi. Ça ira pas avec mon vert, parce que c'est le vert limette qu'on a ici, là, Carmen. Du coup, ça n'ira pas avec, je pense. Voilà, on essaye de couper quand même sans trop déborder. Hop, voilà, ça va le faire. On espère, ça rime, ça va le faire, on espère. Ça rime. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Ok, donc tout ça pour ça, hein, Rachel. Mais enfin bon, je pense que cette technique-là vous aura plu, d'après moi. Enfin, moi, je la trouve très très bien. Et voilà donc ce que ça donne avec les autres couleurs que j'avais préparées. Donc là, j'ai pris du sorbet sucré, du bleu piscine party et du pétale rose. Voilà donc ce que ça nous donne avec toute cette jolie famille de fleurs. Donc évidemment, on ne va pas tout utiliser, mais le jaune, là, je l'aime bien quand même. On va le prendre, je pense. On peut dépasser puisque bah, c'est une boîte. Voilà, on peut dépasser, pas de problème. Et puis celle-ci, je pense qu'on va prendre celle-là comme ça. Ça va nous faire un joli ensemble. Et puis les feuilles, eh bien, on va en mettre allez, un petit peu là. Comme ça. Et puis comme ça. Oula. Et nos abeilles, alors? Alors, pour les abeilles, j'ai un secret pour vous.
C'est un super secret que je vous révèle. Voilà. Vous savez quoi, les fleuristes, ils ont du fil de fer. Alors moi, je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'au travail, la réceptionniste, eh bien, elle allait jeter les fleurs et puis elle avait du fil de fer comme ça. Alors c'est un fil de fer qui se tord facilement, que les fleuristes utilisent voilà, pour faire tenir les fleurs des fois. Je ne savais pas, voilà, pour tout dire. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait mettre, par exemple, hein, je dis ça comme ça moi, mais bon, hein, par exemple, on pourrait mettre une abeille là, comme ça, l'attacher au fil de fer. Et puis l'autre côté, on met Kojak pour fermer l'abeille, comme ça. Et puis bah, le fil de fer, on le met au-dessus de la boîte. Comme ça, les abeilles, eh ben, elles sortent de la boîte. C'est bien comme idée, non? C'est exactement ce que la fille, là, la démonstratrice, elle avait montré. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Sachant que je n'ai pas fait de test. Donc on va essayer quoi, ensemble. Hein, c'est une bonne idée. Voilà, donc elle avait fait un zigouigoui comme ça, l'abeille ici, et puis ça qui est là. Et j'ai oublié ma paire de ciseaux qui est un petit peu kamikaze. Un instant, je vous prie. Hop. Hop là. Voilà. Ma paire de ciseaux qui fait tout. C'est pas bien de prendre une paire de ciseaux pour faire ça, mais bon, ça marche. Donc, comme ça marche, on va le faire. Hein, voilà, comme ça. Et puis on prend juste là... la longueur dont on a besoin. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Super d'avoir tout écrit. Les oreilles de chat. Ah oui, ça peut être aussi ça. Marie-Thérèse, bonsoir. T'es un peu en retard, pas de problème. Tac, Véronique, elles sont super. Les fleurs avec le rouge. Oui, oui, ça ressort un petit peu, effectivement. Et ça fait penser à ce qu'il y a... je sais pas comment vous montrer, mais là, ça fait penser à ces couleurs-là. Donc, c'est pas mal, je pense. C'est sorbet sucré. Voilà, tout à fait. Yes, une idée géniale. Voilà, ça vous plaît. Alors, j'avais du scotch. Oui, il est là, jadis. Donc, c'est bon. On va mettre un bout de scotch. Rachel adore le scotch. Voilà, c'est un matériau moderne, n'est-ce pas? Hop, on va mettre le petit bout de scotch là, pour que ça tienne, n'est-ce pas? Et je pense que ça va suffire, hein, parce que c'est pas vraiment lourd, hein, donc ça devrait aller. Kojak, on va le remettre là. Donc, ce coup-ci, on peut coller, n'est-ce pas? Hop. Comme ceci. Comme ça, elle aura un dos et un devant. On pourra regarder la boîte dans tous les sens. C'est plutôt chouette. Voilà. Et puis, bah, notre le bout, là, et bah, on va le planter à l'intérieur du papier design. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas le coller tout de suite. Voilà. Donc, je vais enlever mes fleurs. Elles sont jolies, mes fleurs, mais on va les remettre après. Et puis, c'était... Ah oui, non, c'était quand même pour voir où est-ce que je pourrais planter mes abeilles. Hop, hop, hop. Donc, je propose d'en mettre une par là. On va faire le trou tout de suite, hein, comme ça au moins, voilà. Et puis l'autre peut-être par là, ce sera pas mal. Hein. Hop, le trou, c'est pas une grande science. Bon, allez, on peut prendre le pic quand même. Mon touche-à-tout, il a fui. Voilà. Tac, on va faire un petit trou, pas un trop gros, hein, parce que le fil de fer, il est quand même fin, quoi. Voilà, parfait. Et puis l'autre, on a dit, on va le mettre par là, je crois. C'est ça qu'on avait dit. Voilà. On l'a pas encore fait, mais on va le mettre là. Comme ça, je peux pousser mes fleurs. Et puis, la petite abeille là. Bon, on va la mettre comme ça. Voilà. Mon scotch. Le scotch, il est là. Tac. C'est une idée bien quand même, hein. Franchement. Moi, je pense que c'est génial. Voilà. Et donc, ça va donner ça de profil, quoi. Voilà. C'est chouette, non? C'est très chouette, voilà, c'est très très chouette. Moi, je trouve ça très très chouette. Voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas. Celui-là, on va le faire un ressort, ou bien on prend un autre fil. Non, on va faire un ressort juste un petit peu plus court, parce que là, elle monte haut quand même. Hop. Comme ça, et comme ça. On reprend l'abeille, ou c'est ça, là. Donc, attends, non, celui-là, c'est celui qui va en bas. Oh là là, Rachel. Un peu d'organisation, s'il te plaît, là. Voilà, ok, c'est comme ça. Hop là. Le scotch, scotch. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. C'est franchement chouette, je pense. Alors, on peut faire ça aussi avec des papillons, avec de ce que vous voulez, mais les abeilles, là, elles s'y prêtent particulièrement parce que bah, grâce au fait que le perforatrice soit recto-verso parfait. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun gap qui se fait, en fait. Entre les deux abeilles. Donc là, je peux coller mon dos d'abeille et c'est parfait, quoi. Voilà. Et ça, ça se fait pas avec toutes les fleurs ou tous les trucs qu'on perfore. Des fois, on doit utiliser une technique pour faire un miroir, mais là, on n'a pas besoin. Donc, c'est encore plus simple, n'est-ce pas?
je pense. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, j'ai loupé plein de choses, désolée. Si on s'en sert pour tenir le dessous des gerbera de la tige. Voilà, exactement, c'était des gerbera. Et effectivement, ce sont c'est des gerbera qu'on avait au bureau et que bah, les filles de la réception ont bah, jeté parce que bah, c'était le moment de jeter, quoi. C'était fini, elles étaient mortes. Et du coup, j'ai dit, ah, mais attends, je peux récupérer le fil de fer, là. Et puis, ils m'ont dit, ben oui, fais ce que tu veux. De toute façon, Rachel trouve toujours que je suis bizarre parce que je récupère tout. Mais bref, et donc, bah, j'ai récupéré ça, quoi. C'est trop bien. Zébulon, oui, ça fait ça, Isabelle. Très, très bonne idée. Elles sont rigolotes, ces petites abeilles. Bonsoir, Nelly. Ah, bravo, toi, tu aimes aussi. Isabelle. Tout nicotine, tout nicoton. Exactement. Hop, voilà. Zébulon de manière enchantée. Alors là, ce soir, ouais, on retombe tous. Alors, entre les Dalton, le. C'était quoi l'autre truc? Kojak. Et puis là, maintenant, Zébulon. Ben alors là, je vous raconte pas la nostalgie ce soir. Pourquoi ça tient pas bien, là, celui-là? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il est moins long, il faut dire. Peut-être c'est ça, ou bien alors il tient moins bien, juste. Ah oui, le scotch n'était pas si bien mis. Peut-être c'est ça. Je sais pas pourquoi elle veut pas tenir celle-là. Peut-être c'est trop court. Comment ça se fait? Pourquoi ça tient pas celle-ci? Et l'autre, elle tient parfaitement, quoi. Moi, si ça va maintenant. Non, ça va pas. Ben, je sais pas. Pourquoi elle tient pas celle-ci? Je me le demande. Là, ça tient maintenant. Ok, on colle. Ça tient, on colle. Il manque plus que Bonnu, les petits. Et t'as oublié Casimir aussi, Véronique. Hein. Il manque Casimir, il manque le. Voilà, il manque tout plein de choses. Bref, on va pas retourner dans les années jadis. On dit pas quelles années c'est. On va pas retourner dans les années jadis. On a maintenant des petites abeilles. On leur donne le nom qu'on veut d'abord. Voilà, parce que c'est comme ça. Et puis, bah, on vit à notre temps. Voilà, on a le droit de renommer les choses de notre temps comme jadis. Voilà, c'est comme ça. Et Maya l'abeille, voilà. Que de bons souvenirs, voilà, exactement. Donc on a Kojak, ça c'est Kojak, et ça c'est Maya l'abeille. C'est bien comme ça. Merci d'avoir trouvé les noms. C'est parfait. Alors, puisqu'on peut mettre plein de reliefs, eh bien, on va prendre les 3D que j'ai pas sortis. Hop là. J'ai rien sorti ce soir. Hein. Enfin, à croire que j'ai rien sorti, alors que j'ai sorti des trucs, mais bon. On va mettre tout ce petit monde-là en relief, comme il faut. Et puis celui-là qui s'ouvre tout le temps, là. Hop, une fois. Et deux fois. Et puis trois fois. Et en fait, on va commencer par coller les feuilles plutôt. Ce sera un peu plus malin quand même. Hop, les feuilles, on a dit, ben ça aussi, hein, pourquoi qu'on les mettrait pas en relief? Allez hop, en relief. Bonne nuit, les petits marchands de sable est passé. Pas promener les nids, Moukona. Eh ben, et les barbes à papa aussi. Oh là là, non mais franchement. Merci pour l'envoi, le field va. De va. J'ai pas compris, Marise. Trop chouette, trop choupignon, mais pour l'envoi. Ah oui, bah pour le voix. Pour l'envoi, effectivement, le fil, ça va pas être possible. Alors ça, c'est le genre de cadeau qu'on peut pas envoyer. On est obligé de le donner à la personne directement. Voilà. Malheureusement. Hop. Ça veut dire que ce sera pas pour un plouf-plouf, hein, pour reprendre les expressions de Suzanne. On va faire comme ça, je pense. Voilà. Mes 3D, ils sont là. Et de une fleur. Voilà. Oui, c'est beau. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Ensuite, les autres, là, on va en mettre une là. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Et puis une là, c'est ça que j'avais dit. Hein. Je sais plus. En tout cas, c'est ce qu'on va faire là. Hop. Alors, elles sont très fines, celles-ci, par contre, les fleurs là. Mais je sais pas pourquoi ça tient pas quand même. C'est bizarre, alors que l'autre, elle tient très bien. Je pense qu'il faut alors une longueur suffisante. J'ai peut-être pris une longueur trop fine pour la deuxième abeille, pour Maya. Maya l'abeille. Peut-être que j'ai pris trop fine la longueur. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, peu importe. Hop. Voilà. Celle-ci va venir par là. Et le reste, on a dit qu'on met des 3D. Hein, des dimensionals. De leur joli petit nom, n'est-ce pas? Un dimensional par là. Et puis un autre par ici. Hop et hop, voilà. Comme ça, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Ça fait très beau, moi j'aime beaucoup en tout cas.
Qu'est-ce qui manque? Alors, la dernière fois, d'ailleurs, j'étais très fière, j'ai dit que j'allais raconter ça à tout le monde. La dernière fois, j'ai demandé à James, qu'est-ce qui manque ici? Il a regardé longuement, puis après, il a dit, les bling-bling. J'étais trop fière de lui. Trop fière de lui, voilà. Aglaé et Sidonie, on va tous les faire, oui, effectivement. Casimir et le goubli goubla, même j'arrive plus. Gloubi gloubla, goulbla. Il y a peut-être des carambars à l'intérieur. Exactement, quoi. J'en ai loupé plein. Ah, je reste sans mots. Waouh, super, Ludivine, trop bien que ça te plaise. T'adores aussi Véronique, trop mimi. Maya, elle veut se poser sur les fleurs, oui, c'est ça. Peut-être que tu peux faire un autre tour au fil. Bah, en fait, là, maintenant, je l'ai collé et du coup. Je pense, en fait, c'est le scotch. J'ai l'impression que ça tient pas bien au niveau du scotch. Et peut-être que j'aurais dû le faire plus long. Parce que celui-là, aucun problème. Hein. Vous voyez, celui-là, il est nickel. Et la fil de fer, il va à peu près, que je le touche. Il va jusque-là, le fil de fer de celui-là. Et je pense que c'est ça le problème. Celui-là, le fil de fer, il s'arrête là déjà. Je pense que le problème vient de là. Donc, si vous avez cette solution de fil de fer, si vous aimez cette solution-là, eh bien, prenez une longueur suffisante quand même. Ce sera mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? On a dit les bling-bling. Maya veut se poser sur les fleurs, exactement. C'est mieux pas à la même hauteur. Oui, tout à fait. Pas à la même hauteur, c'est mieux. Par contre, la longueur là, en dessous, je veux dire, la longueur en dessous, il faut qu'elle soit assez grande. Je pense. Hein. Peut-être pas suffisamment tournicotée. Peut-être. J'aurais dû faire tournicotis, tournicota, et puis je ne l'ai pas fait. Alors, les bling-bling, c'est ça normalement. On prend ça. Hein. On est d'accord, hein, on prend ça. C'est beau. Hein. Il faut vraiment que j'en rachète déjà parce que je pense que c'est trop beau et il n'y en a pas assez pour moi, en tout cas. Pour moi et mon amour des bling-bling, il n'y en a pas assez. Je pense que je vais prendre les rouges. Il n'y en a pas assez. Non, il m'en reste que 4. Enfin, ça fait combien ça? 6. Oui, il en reste que 6. Oh là là, c'est trop joli, hein? Merci Christelle. Oui, parce que nous, on aime bien les Z, hein? C'est trop joli. Voilà. Superbe boîte décorée. Pouvoir rester sur un meuble, et eh ben oui, à servir à l'infini, tout à fait. Je repose ma question. Peut-on utiliser de l'acétate à la place du fil de fer? Ah bah pourquoi pas? Je n'avais pas vu, excuse-moi, ta question, donc merci de la reposer, Suzanne. Je dirais oui. On n'aura pas l'effet en vol, là, parce que finalement, ça fait penser quand même à. D'où celle de tampon. Ça fait un peu penser à ça, là. Vous voyez, l'envol du. Le chemin de vol de l'abeille, ça fait un petit peu penser à ça, le fait d'avoir les fils de fer, je trouve. Et c'est ça que je trouve ça génial, en fait. Mais bon, je pense qu'effectivement, tu peux prendre de l'acétate, sans problème. Je suis l'ours. Collarjol, l'ours qui chante en fa et en sol. Oh là là, Isabelle, elle ressort tout le répertoire. Magnifique. Voilà, Isabelle, elle dit, Isabelle B, elle nous dit, essaye, Suzanne, et tu nous dis, très bonne idée. Je pense aussi que tu vas devoir nous dire, et puis après, nous publier tout ça dans le groupe Scrap aux éclats. Je pense que c'est vraiment une excellente idée, ça. Tiens, hein? Ouais, c'est trop bien. Après, on va remettre, allez, encore une grande. Ouais. Parce que bon, on aime bien, nous, quand c'est un petit peu comme ça, là. Voilà. Et ben voilà, on va laisser comme ça, je pense. Et puis, si jamais il avait fallu mettre un ruban, parce que là, j'ai le mien qui s'ouvre, hein, je pense quand même. Bon, celui-là en bleu, ça me semble pas mal. Et dans quel sens on va mettre le ruban, le nœud, hein. Allez, on va le mettre là. Comme ça. Et puis, au moins, ça permettra de tenir la porte qui se ferme pas, quoi. On va dire ça. Donc celui-là, c'est le ruban de la Celebration, si vous voulez, si vous vous demandez. Hop, faire un nœud, attention, faire un vrai nœud. Ouh. Attention, faire un vrai nœud qui va tenir en plus. On vit dangereusement, hein. Ouh, je vous le dis pas. Je vous raconte pas. Voilà, par exemple, hein, nous mon ciseau. Là. Hop, comme ça. Un peu grand ça quand même. Voilà, on va faire ça. Hein? C'est pas mal comme ça. Et voilà! Mon petit ensemble, il est prêt. C'est pas mal, moi, je trouve. Hein? C'est vraiment très joli. Ça pourrait aussi servir de marque-place. Bah oui. Et un petit cadeau d'assiette. Bah oui, tout à fait. Alors là, il faudrait faire peut-être qu'une seule boîte. Excellente idée. Qui c'est qui a dit ça? Véronique, excellente idée. Donc, je le mets là pour ceux de Facebook. De faire ceci avec une seule boîte, peut-être. Avec l'abeille, évidemment. Et puis un marque-place, peut-être. Ou bien mettre le nom, alors pas l'abeille. Et puis le mettre sur la table. Je pense que c'est une très très bonne idée. Voilà donc ce que ça donne avec ma petite, mon petit. C'est pas Kojak, c'est Maya qui est un petit peu handicapée ici parce qu'elle tombe un petit peu. C'est parce qu'elle a envie de se mettre sur la fleur. Voilà. Du coup, elle bouge, c'est fait exprès.
C'est fait exprès, c'est de l'art. Voilà, c'est trop mignon, hein, c'est bien. Oui, dans ce crapaud éclat, exactement, Isabelle. Donc, si vous faites des choses, notamment, alors, la petite fabrique, j'ai oublié, je ne sais plus si tu nous as dit ton nom. Donc, la petite fabrique, surtout, si tu le fais cette semaine, eh ben, du coup, tu peux le partager dans le crapaud éclat. Donc, c'est le nouveau groupe Facebook. Alors, attendez, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je crois que c'est là, voilà. Dans ce nouveau groupe Facebook, si vous faites quelque chose, il faut le partager. Là, crapaud éclat, parce que moi, ça me fera trop plaisir de voir ce que vous aurez fait. Vraiment, franchement. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Que nos petites abeilles, la Kojak et Maya, bah, elles sont toutes mimi. Je pense que c'est pas mal aussi de montrer comme ça. À mon avis, ça va... Attendez, il faut juste que je remette ça, peut-être. Voilà. Je pense que ça... se montre encore mieux comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Que c'est tout beau, tout beau, tout plein. Voilà. Très bien. Donc, ben, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, trop beau. Visiblement, ça vous plaît. C'est très bien, très super sympa. Pollux et Margot, elle continue. Nathalie, la liste, c'est trop bien. Alors, aujourd'hui, c'est une soirée nostalgie. Et puis, on refait tous nos souvenirs d'enfance. Parce que là, on a les Dalton et Kojak, n'est-ce pas? Donc, si ceux qui viennent de nous rejoindre, il faut voir le replay pour comprendre. C'est obligatoire. Et puis, bah, tout le reste du monde qu'on a vu. Pour ta languette qui ne tient pas, recolle une bande sur la languette et refais le biais moins fort. Merci, Suzanne, je vais faire ça. Je vais faire ça exactement. Ah, bonne idée, avec les lapins. Donc, Christelle dit avec les lapins, c'est une excellente idée également, puisque les lapins, ils sautent. Voilà, donc c'est parfait. Trop de bonnes idées, en fait, encore. Hein. Tu as été dérangée, t'as perdu le fil. Ah, bah oui, il faudra finir en replay. Exactement, Nicole, je pense que tu vas y arriver sans problème. Voilà. Super, bonne nuit. Tu y es allée sur le... Je pense sur le groupe, hein. Super. Alors, si tu y es déjà, c'est super. Faudra publier là-dessus. Tu aimes énormément. Voilà, bah très bien. Bon, bah, tout le monde a pu... Ah ouais, miam pour la chandeleur, Stéphanie. Donc effectivement, soit on met plusieurs petites confitures et un Nutella, pourquoi pas. Ou alors on met que du miel pour la chandeleur, pour ceux qui sont sérieux. Mais c'est une très très bonne idée, Stéphanie. Merci beaucoup. Donc voilà, notre projet pour ce soir. N'hésitez pas à le refaire et à nous montrer. Donc, si vous avez des commandes à passer encore pour le mois de janvier, eh bien, le code hôtesse, vous le connaissez peut-être par cœur, peut-être pas. Mais en tout cas, il est ici et il est encore valable jusqu'au 30 janvier. Alors n'hésitez surtout pas à l'utiliser et pour recevoir donc des cadeaux de ma part, c'est-à-dire des tutos, parce que dès que vous commandez chez moi, vous recevez dans la journée des tutos. Donc si vous avez commandé que vous n'avez pas reçu, allez voir vos indésirables à nouveau. Peut-être que que mon mail est allé là-dedans. Ce serait dommage, mais c'est possible. Et puis le mois d'après, eh bien vous recevrez un petit cadeau de ma part si vous utilisez le code hôtesse. Donc c'est important d'utiliser le code hôtesse parce qu'on aime bien les cadeaux ici chez Rachel. Voilà. Voilà, bah, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne semaine. Merci beaucoup pour votre compagnie de ce soir et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un live qui nous fait tourner la tête. Tiens, là maintenant reprendre Edith Piaf maintenant. Alors ben, bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour le live qui fait tourner la tête. Bye bye.